Eh ben voilà, salut tout le monde, c'est Docteur Kiwi, et on continue les épisodes si on arrive jusqu'à la console sans mourir. Toujours dans le vaisseau des méchants, ce qui craint un peu, vu qu'on se fait crever à chaque fois. Tandis qu'à chaque fin de mission, on réapparaît avec les personnages auxquels, avec lesquels on a joué à la mission. Et évidemment, bah, c'est des gentils, hein, donc on se fait crever genre tout le temps. Comment s'appelle celui-là? Chapitre 6. L'intrigue. Oui, bon, d'accord. L'intrigue de Grivous. On s'en fout. Ça craint grave. C'est qui celui-là? Comment il s'appelle? Edcott et Edcott Iskos. Je m'en fiche. De toute façon, il va mourir alors. Voilà. Non, c'est mort. Laisse pas tranquille. Genre le mec il me repousse quoi. Là. Ouais, de toute façon au bout de deux têtes coupées il n'y a plus d'animation comme ça avec la touche. Sinon ce serait énervant. Eh, mais ils me poursuivent, vous avez pas de tête. Pas de bras. Là, c'est calme. Hein. Et voilà comment je me fais attraper, ça craint quand même. Si je me rappelle de l'épisode, il veut me faire parler. De toute façon, c'était logique. Il veut me faire parler à propos de je sais pas trop quoi. Sûrement où sont nos bases avancées, des trucs dans le genre. N'importe quoi. Par contre, elle, je sais même plus qui c'est. Galia. D'accord. Bah les fans ils le sauront. Moi je le sais pas. C'est une gonzesse avec des trucs sur la tête. Ça se trouve c'est juste son chapeau ou alors c'est des plumes. Je ne sais pas. Ah, pourquoi je détruis des caisses moi? Il faut vite que j'aille sauver quelqu'un, n'importe. Ah oui c'est vrai, le maître. Le maître machin bidule qui avait un nom à chier. Et voilà, ça c'est la classe. Oula, elle est un peu grande cette salle.
pas trop quand c'est grand comme ça. Ah, personne de l'autre côté? Parfait. Ah, il y a ça par contre. C'est suspect. Ah. Oui, mais bien sûr, détruire tout ce qui est à côté, mais pas ce qu'il faut détruire. Deux trucs là et un troisième là, il faut quoi? Il faut que je les frappe les trois, un truc comme ça. Hein. Allez, tu peux y aller. Vas-y. Deux, trois. Alors, vas-y. Voilà. Ah. Il fait tout leur balancer dans la tronche, tous les objets qu'il y a autour, même eux-mêmes. Ils sont calmés. Voilà. Voilà. Lui, je peux carrément le contrôler pour détruire son genre. Ils sont un peu énervants quand même là, ils sont un peu trop nombreux pour moi. Voilà. Ça c'est fait. Il reste deux tuyaux. Ah bah oui, d'accord. Je vais quand même avoir besoin de l'un d'eux. Ah, voilà. Parfait. Ah bah je suis déjà au prisonnier, c'est parfait. Bah moi je te laisse te défendre contre ces robots hyper chiens. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait Anakin? D'accord, j'ai pas bien compris, mais ils veulent absolument. Ah non, 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 mon dieu. La mauvaise idée, mais grave. On rechange de perso. On va d'abord sauver l'abruti, et ensuite on s'occupe d'autres. Ah.
L'autre abruti. Il n'y a que des abrutis. C'est pas croyable ça, mais meurs et donne-moi ta tête. Ouais, mais dès que je me fais tuer, je la perds. Bon bah, c'est pas possible. Meurs. Meurs. C'est vrai qu'ils sont galères, ils ont 3 vies chacun. Hein. En tout cas, faut leur donner 3 vies. Enfin libre. Ah non. Oh là c'est moins bon, là c'est moins bon. Viens là, viens, venez tous. Ouais, il m'envoie que ça, les Magnaga. Tiens. Des doses, plein de doses, rien pour toi. Ah non, là par contre ça j'aime pas, ça j'aime pas. Il va avancer. C'est pas possible, je peux rien ramasser, il me tue direct.
Ah, ça y est, il se tire. Espèce de lâche. Ça, c'est un droïde qu'on peut tuer qu'avec un Jedi, apparemment. J'étais coincé là-dedans. Allez, vas-y. Déco. Parfait. Oh merde. Ok, ok. À deux. Là, il va essayer de monter. Pendant ce temps-là, il faut que je prenne l'autre. Lui, je ne sais pas vraiment ce qu'il va essayer de faire. C'est pas un truc pour les trucs violets, ça. Hop, 2 secondes. Ah, c'est bon. Alors. D'abord, ils me disent flèche. D'accord, faut que j'aille me poser là. Je dois me poser avec eux. Ah bah voilà, ça va les permettre de monter. Allez. D'accord, par là.
D'accord. Je vais descendre tout en bas. Ça l'a pris. Ah. Carrément, il se barre avec ça. Lui. C'est pas compliqué de ouvrir une porte. On ouvre un mur avec un sabre laser et puis on défonce ce qu'il y a à l'intérieur. Compliqué d'avoir des chats. Alors, ça va falloir l'exploser, mais j'ai pas de bazooka. Super. Ça, je peux toujours en faire une pyramide avec. Ouais, je vais en faire une pyramide avec. Ah bah d'accord, c'était pour un mini kit. Ok. Eh ben, je vais aller le chercher si je peux. Ouais, je laisse assez d'espace. Yeah! Le seul mini-kit de ma vie. Ah, là, il y a un truc à... Elles sont bien, ces petites caisses, là. On les détruit, dedans, il y a de quoi faire un levier et tout. C'est classe. Ah, ben là, voilà le truc pour les vaisseaux. Me poser. On dirait le vaisseau impérial de l'autre idiot. Non, non. C'est pas possible ça. Le mec il prend un café quoi. Sois pas dingue. Et donc on a débloqué bah, les deux Gugus. Voilà. Deux trucs avec des têtes bizarres et inutiles. 71%. 79%. Jambes encore. Et terminer l'histoire. Oh.
Waouh, bah voilà, bah je viens juste de m'en rendre compte, mais ouais, on vient de terminer le jeu. Enfin, pas totalement, mais on l'a terminé là. Les trois missions différentes, elles sont finies. J'aime bien leur petite présentation, elle est marrante. Je les ai pas vus ailleurs à part sur des jeux Lego de toute façon. Bon bah c'est parfait, et en plus ils nous refilent ces deux-là à la fin. Ce qui ne sert à rien dans un vaisseau ennemi parce qu'on va mourir. Ah c'est marrant comment il avance. Je lag le mec, je lag. Et ben voilà. Mais ce n'est pas terminé. C'est ça le pire, c'est que ce n'est pas terminé. Parce que de ce côté-là. Hop. Deux sabres, ça coûte cher. Hein. On suit les pièces. Et on ouvre ça, je crois. Voilà, on prend l'ascenseur. Elle est énorme la musique de l'ascenseur. Et oh, mais qu'est-ce qu'on voit là? Ben, en fait, on est carrément chez l'autre idiot à quatre bras. On est carrément chez lui. Alors. Il y a un aspirateur. Il y a un droïde commandant. Ça veut dire que pendant les batailles, on peut l'utiliser pour commander les troupes. D'ailleurs, je l'achète. Et en parlant du débile à quatre bras, il est là aussi. Ce qui est moins sympa, tout le monde. Voilà, combien il coûte? 250 000 aussi, c'est la fête. Ouais, je vais vite prendre la peau d'un méchant là, avant de me faire détruire par tout ce qui bouge. Toi, t'es un méchant. D'accord, c'est sympa. Non, j'aimerais prendre Obi-Wan avant que tu me tues, toi. Voilà, et Obi-Wan prend lui. Et je m'active. Sympa les droïdes. Là, ça va déjà être doux. Ouvert d'avance. Même là-bas, je crois que c'est ouvert d'avance alors que je l'ai pas ouvert. C'est pour les personnages qui sautent pas, non? Ah non, non, non. Ah, c'est pas gentil. Et pourtant, j'étais sûr qu'il restait encore deux niveaux. Là-bas, ça bouge. Ou pas. Ce serait bien. Non, il me manque 4 autres. Ouais, super. Non, ils sont sérieux là? Alors ils sont où les deux niveaux bonus? Les deux niveaux bonus, il doit y en avoir un qui est planqué là-bas. Vu que c'est pas ouvert. Et il y en a un autre, je suis sûr qu'il y en a un à gauche. Mais peut-être pas en prenant l'ascenseur. On va voir ça. Voilà. Ah, c'est mieux comme ça. Et ça doit être là. Et pour ça, il me faut un chasseur de primes. Évidemment. Et merde. D'ailleurs, on le voit là. On le voit qu'il y a un niveau. Il y a une pièce qui flotte là-bas. Portant Lego, c'est pas pour rien. Donc ça veut dire que tant que j'ai pas 250 000 pièces, je ne pourrai pas continuer. Donc d'ici là, je vous dis au prochain épisode parce qu'il va y en avoir deux autres. Et à la prochaine. Allez, ciao!